Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ma voix va légèrement mieux. J'ai été un peu malade, mais si vous voulez, un gros coup de fatigue. Du coup, mercredi, j'étais HS. Et petit résumé de la semaine. Ben, la reprise s'est assez bien passée en fait, hein. Ça va, dans l'ensemble. Bon, c'est un peu dur. Bon, du coup, on a dû se remettre du vendredi soir où on n'a pas trop dormi. Ouais, c'était le vendredi soir. Et on avait un jour pour rattraper. Et du coup, le dimanche soir, voilà, ben, on s'est couché tôt. Et tous les jours de la semaine, on s'est couché tôt. Les enfants avaient du mal à se lever un petit peu. Mais ça va, nous ne sommes pas arrivés en retard. Même moi, mercredi, j'étais malade. J'ai appelé ma maman. Elle est venue s'occuper de. En fait, elle a fait tout ce que je faisais. Elle les a emmenés, elle a fait à manger. Elle est même allée pour leur prendre des pantalons parce que je devais le faire. Et parce qu'il a fait super froid. Oh, je sais pas, vous, dans votre région, nous, on est dans le sud de la France, vers Montpellier. Et vraiment, on s'est pelé cette semaine. Là, ce week-end, ça va mieux. Du coup, j'ai éteint le chauffage. Mais bon, voilà. Nous avons un petit chat qui veut jouer. Nous avons un petit chat qui veut jouer. Doshka! Coucou! Tu fais quoi? Tu dis bêtises? Tu manges ma pochette? Voilà, du coup, l'adaptation avec Nouchka se passe super bien. C'est un petit chat qui dort toute la nuit. Les grosses bêtises qu'elle fait, c'est les rideaux, comme Mickey, comme Minnie, c'est pareil. Et comme eux, hein, quand elle a faim, ben non, quand on passe à table, nous. Eh ben, elle veut manger comme nous, du coup elle monte, elle monte, elle monte, et c'est. Voilà, maintenant Mickey et Minnie, ils le font plus, donc je m'inquiète pas, voilà, j'arriverai à lui faire arrêter. Je tiens mon bras en fait là. Là, je sors de la douche, il est midi, le manger cuit. Et j'ai testé trois produits de la Glossy Box, donc que je vous ai ouverte hier, et, enfin, la vidéo que je vous ai postée samedi matin. Alors, j'ai testé le primer et franchement, après j'ai mis mon mascara que j'ai eu dans une Birchbox, le. Non, pas le fil! Que j'ai eu dans. Pardon, que j'ai eu dans une Birchbox. Le waterproof, voilà, je ne sais plus quelle marque c'est et que j'aime beaucoup. Alors, je me suis pas. J'ai pas fait le recourbe cils, voilà. Mais franchement. Mes cils sont longs, un truc de fou. Voilà, là on voit mieux. Je suis contente. Faites pas attention à mon nez, je l'aime pas, mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé aussi le sérum Bellatox, il me semble. Voilà, de machin alchimiste, comme ça. Et franchement, ouais, ça va. Bon, j'ai pas vraiment les pores. J'ai pas une peau grasse, donc j'ai pas les pores qui se voient. Voilà, moi j'ai une peau très sensible. Pas sèche, mais normale et sensible. Voilà, d'où le fait que je fais beaucoup d'allergies à plein de choses. Là, j'ai pas mis de fond de teint. Donc voilà, ma peau n'est pas parfaite, parfaite, mais c'est pas grave. Du coup, ouais, ça va bien. Et j'ai mis sur mes lèvres le petit baume. Voilà, ça fait. Et j'en ai mis aussi là. Et là. Je sais pas si vous verrez, mais ça va. Moi, bon, ça fait peut-être. Ça fait rosé quand même, hein. Mais ça va, parce que j'ai mis du fard à joues aussi, du coup ouais, ça va. Je sais pas. Je verrai bien quand je monterai la vidéo ce que ça fait. Il y a mon chat qui fait des bêtises, mais c'est pas grave. Elle s'amuse, elle découvre plein de choses. Là, elle va aller en petit mini. La vilaine! Défends-toi, Minnie! Non mais! FD Toto! Pourquoi tu l'embêtes? Nouchka! Laisse Minnie tranquille! Et laisse-la! FD Dodo! Et petit machin là! Regardez-moi ça! Tu la laisses tranquille! Et vilaine! Petite vilaine. Non mais, je vais te trouver un petit jouet. Tiens, regarde. Un joujou. Voilà, un petit joujou.
Ma pauvre chouchou, ça va. Et bah l'heure est à réveiller la vilaine. Bah après, dans l'ensemble, tout se passe bien. Vraiment, rien à dire. Voilà, ça se passe très bien. Moi, de toute façon, tant qu'elle me laisse dormir la nuit, je l'adore. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, ben, il fait beau. Il y a du vent, mais ça va, il fait beau. J'aimerais bien sortir un petit peu, mais je sais pas si les enfants, ils voudront. Il faut que je les oblige, en fait. Que je leur dise, on sort. Voilà, basta. En tout cas, si on fait un truc, on vous prend avec nous. Et si on fait pas grand-chose, eh ben, ce vlog sera sur 2 jours. Oui, ce sera un petit vlog. Je vous dis à plus tard. Ça y est, Louchka s'est enfin calmée. Mimi peut se rendormir. C'est dingue. Il y a que ça. Dodo, on dirait les mêmes. Moi, je suis chouette, la fille de dos avec moi, c'est tenu. C'est cool de se faire laver. Oh, c'est trop mignon. Regardez, elle s'est mise encore dans une position trop mignonne. C'est ma louloute. Oh, trop mignonne. Ah, trop mignonne. Trop chouchou. Est-ce qu'il faut mettre tout? Elle a perdu une chaussure, elle. Oui, je sais. Elle est tout le temps dans la caisse partout. Je la retrouve tout et là, on se voit fait. Mais on n'a même pas retrouvé ça sur le film. Alors, c'est quoi le jeu? En fait, on a tout au parking. Et en fait, la finition qui s'est transformée comme ça. Après, elle était en partition comme ça. Et maintenant, elle s'est transformée comme ça. D'accord, donc. Donc, elle est timide. Tu dis c'est un peu comme un monstre? Oui. D'accord. Mais par contre, tu ramasses les papiers, mais les papiers, ils vont à la poubelle, mais le reste, non. Mais ça ne s'affine pas. Ah, le manger? Non. Oui, enlève le manger. On va essayer de le remettre dans le frigidaire. Mais la poisson comme ça, elle n'était pas ici. Elle était ici, là. Ah, d'accord. Voilà. Tu sais mieux que moi. Tu as bien joué? Il y a des trucs que c'est beau trophée. Il y a un truc que c'est beau trophée ici. De la place encore. Non.
les Shopkins, c'est génial pour faire du manger pour les Barbies. Et tous les jouets, en fait. Ouais. Pour tous les jouets. Ouais. Les bananes, elles vont là, en haut. Du coup, tu joues aux Enchantimals ? Oui. Je joue au LOL et aux Enchantimals. Avec tout, quoi, presque. C'est chouette. Et aux Parpies. J'ai pris un petit Parpie. D'accord. Et t'es super héroïne. Ah, il n'y a même pas de maman. Moi, ce soir, c'est super simple. Et Anna, je ne sais pas ce qu'elle fait. Franchement, c'était pas prévu. Je sais même pas pourquoi elle fait ça. Quelqu'un lui a donné une fourchette? Ah oui, alors attendez, je nourris ma fille, attendez. Donc moi c'est soupe maison, je vous disais. Et les enfants, les taboulés, saucisses. Oui, nous sommes en été, regardez la preuve, nous sommes en t-shirt. Ah non, nous sommes pas en été. Ah non, nous sommes pas en été. Et là non plus, c'est pas l'été. Non, non, moi j'ai froid. Oh oui, ma tête a dû changer. Ma voix aussi. Trop chelou ma voix. La voix cassée. Pour chanter, c'est pas pratique. Je vous le dis, ma voix est horrible. Hein. Maman, j'arrive pas. Maman, j'ai volé du jambon. Bon. Alors, dans ma soupe, en fait, j'ai pris ce qu'il fallait pour. J'ai pris un bac, on va dire, une barquette, voilà, pour le pot-au-feu. Donc c'est carottes, poireaux, deux oignons. Deux oignons, il y en a un poireau. Je crois que c'est un AV, du poireau. Pas tourner la caméra dedans. Ah non, je vais pas faire tomber. Attends, et maman. J'ai rajouté deux grosses cuillères de crème fraîche. Il en reste là en plus, hein, voilà. Personnel temporel. J'ai pas mis, voilà. Je vais me manger ça pendant 2-3 jours toute seule, hein. C'est comme la soupe au potiron. C'est pas bon. Ah, les maman. Soupes, pour moi, c'est pas une soupe ça. Tu veux dire quoi? C'est mini paille. Et moi j'adore, franchement j'ai mis un peu de sel, du poivre, il y avait un bouquet garni aussi. J'ai pas mis les branches de céleri parce que moi j'aime pas trop ça en fait. Voilà. Et voilà, mais moi j'adore, moi j'ai du goût. Miam. Et la prochaine fois, enfin aux prochaines courses, les enfants ils auront de la soupe artificielle. Tant pis pour eux. Au vermicelle. Oui, comme ça. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je me souvenais que tu voulais ça. Le riz aussi en bâton. Les tacos. Tu riz en bâton? Non, mais quoi? C'était rigolo. Et du quoi? T'as pas le droit de tirer? Qu'est-ce que vous faites? On est dans un château à moi ou dans une map à moi? Sur Minecraft? Ouais. C'est cool, en fait ils jouent ensemble sur un même jeu interactif, on dit. Non, c'est pas un truc comme ça. Comment dire, en fait, on peut tout faire dessus. Ouais, mais c'est quoi comme jeu? C'est un jeu, bah, c'est un jeu pour construire, pour voilà, et pour ils peuvent jouer en... ils peuvent se connecter ensemble. C'est assez sympa. Ouais, c'est cool. Le prochain, alors on avait Arlette, la fée paresseuse, on l'a lu déjà. Non. Arsène, on l'a lu. Un drôle de pilote dans l'avion. Non, on l'a vu. Non, on l'a pas vu lui. On l'a vu. Un lit à sa mesure. Tu es sûre que tu veux lire un livre de Charlotte Fraise? Oui. Ça a l'air bien aussi cette histoire. Attends, je mets un marque-page pour
savoir où est-ce qu'on en est pour la prochaine. Ah là, ils sont où les livres de Charlotte Fraise? Ils sont là. Alors nous avons la pyjama partie et Charlotte Fraise invite ses amis. Lequel tu veux? Ok, les deux. Non, c'est que un. Maman, oui. Je fais moi c'est ça et ça, ils sont trop cons. Et aussi ça, et aussi ça. Toutes les fraises. Alors, tu veux lire lesquelles? D'accord. Au moins je pourrais manger. Au moins je pourrais manger ça, 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 ça. Et ça, et ça. Ah. On commence. C'est moi qui tourne la bosse. Non, oh, c'est regarde. Moi. Oh, c'est fait. Chouette. Il a été offert à Laura pour ses 4 ans. En 2008. Oui, bon. Il est vieux, ce livre. Hein. C'est moi qui tourne les bosses. D'accord. C'est ça qui lit. Charlotte aux fraises et sa petite sœur, Croque-Pomme, feuilletaient un jour leur album de souvenirs. Il était rempli de photographies de leurs amis. Attends, j'ai pas fini. Je passe toujours des moments si fraisement chouettes avec mes amis. S'exclame Charlotte. Bonne nuit, petit cœur. Je suis pas un petit cœur. Bonne nuit, mon amour. Je suis pas mon amour. Mon amour. C'est ma petite guirlande. Bonne nuit, ma jolie guirlande. Ça va mieux? Je m'appelle Anna Fibot. C'est un beau toutou? Une croix de dos. Tu es contente d'aller à l'école demain? Oh. Calme-toi, allez. On s'est réveillé très tôt ce matin. On est réveillé depuis 5 heures du matin, Anna et moi. Quoi, il est temps de dormir. Vraiment, vraiment. Oh. Eh oui. Non. Comme vous avez vu, nous n'avons pas fait grand-chose aujourd'hui. Les enfants n'avaient pas envie de sortir dans tous les cas, voilà. Ils sont bien à la maison du coup, parce que toute la semaine après on est dehors. D'ailleurs là, demain, ils n'ont pas beaucoup cours demain, donc ça va être aller-retour. Et mardi, il y a les conseils d'école, et là on y va tous les 5. Ouais. On y va tous les 5, on va jongler de professeur en professeur, ça va être top. On va rentrer tard. Pas si tard que ça cette fois. Logiquement, avant 6h30, on est à la maison, il me semble. Ouais. Voilà. Donc, nous verrons bien si on arrive. Ça serait cool, ça serait bien, ouais. Parce que d'habitude, on rentre super tard et tout. Du coup, il y a le maître de Maya qui demande si on peut accompagner. Mardi après-midi, quand vous aurez cette vidéo, en fait, je sais pas si j'aurai le... Je pense pas que j'aurai le temps. Parce que du coup, il faut que je monte la vidéo. Qu'est-ce que tu veux, Lucas? Je t'ai couché. J'ai couché tout le monde. Ça y est. Non, vraiment. Non, pas Laura, parce que Laura est pénible. Elle attend que Mini... Parce qu'elle attend que Mini... Elle attend que Mini ait mangé. Pour qu'elle vienne dormir avec elle. Vous avez vu là de dos, il y a petit format et moyen format. Voilà, c'est mieux. C'est rigolo. On se ressemble. Non, c'est rigolo. Elle a pas aimé. Hop, et voilà, elle croise les pieds. Et Mini, tu peux faire ça. Elle va lever la papa. Non. Bon, du coup, moi je vous dis. Bonne nuit, à bientôt dans un nouveau vlog. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo
Et même si c'était pas un vlog super intéressant, n'hésitez pas à le faire. À bientôt.